Et là, on va passer à une autre touche, la touche particulière de la répression, la French touch de la répression. Donc, bien sûr, c'est un clin d'œil à la scène électro-parallèle française qui se développe dans les années 80 en Grande-Bretagne sous Margaret Thatcher et qui progressivement veut juste dire que vient désigner les Français qui vendent des disques à l'étranger. Et donc, on se demandait si tout ce qui se passe en France en ce moment, eh bien, d'abord, comment c'est perçu à l'étranger, et aussi, comment ça se dit en France, comment cette répression, elle est perçue comme quelque chose de français. Et je vais passer la parole à Marion Thius. Marion Thius, qui est géographe, maîtresse de conférences à Paris 8 et membre du LEGS. Marion, merci d'être là. Et c'est l'ouverture de la seconde table ronde. Eh ben, merci à vous déjà, à Caroline et Eric, pour avoir organisé ce colloque. Je crois qu'il est vraiment, il est vraiment nécessaire. Et surtout maintenant, les attaques réactionnaires nous prennent à tous et toutes beaucoup d'énergie et il va nous en donner. Donc, merci. Voilà, merci. Je crois qu'on a besoin aussi de se sentir moins isolé. Et là, ça fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup de personnes et que les discussions sont très, très nourries et qu'elles vont se poursuivre. Alors moi, je suis pas très cool ni très in, donc j'avais pas cette référence-là. Donc moi, j'avais compris les choses un petit peu différemment pour la French Touch, c'était quoi la spécificité des attaques réactionnaires en France. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a un mouvement réactionnaire en France qui, effectivement, ça a été redit aussi là, qui partage plein de points communs avec... avec les mouvements à l'étranger, aux États-Unis, au Brésil, etc., qui tirent des fois même, sinon son origine, mais au moins une belle source d'inspiration outre-Atlantique, qui reprend à son compte différentes thématiques, qui ont produit différentes vagues de panique morale aux États-Unis, avec voilà, typiquement l'idée que les critiques antiracistes au sein de l'université serviraient de terreau aux idéologies identitaires, et favoriserait le racisme plutôt que de le faire reculer. Voilà, c'est typiquement la thématique qu'affectionne l'Observatoire du décolonialisme et la raison pour laquelle il se proclame en même temps Observatoire des idéologies identitaires. Donc voilà, ça, j'imagine que vous avez dû en discuter aussi hier, même si je n'ai pas pu me connecter, mais j'ai compris dans les discussions que ça avait déjà été... aborder. Et en même temps, le fait d'aller regarder de plus près justement cet observatoire permet d'identifier ou de percevoir un peu des spécificités françaises voilà, et des manières de formuler des attaques contre les études sur la race, sur le genre, sur l'intersectionnalité, etc., avec cette petite touche bleu-blanc-rouge. Alors, justement, il y a l'idée que ces études viendraient d'ailleurs, qu'on ne formule pas comme ça en France. Alors, effectivement, ça aussi, c'est une rhétorique qu'on retrouve aux États-Unis, au Brésil, etc. Mais avec cette notion d'universalisme qui est peut-être un peu plus typiquement française, ou en tout cas avec des tas d'arguments de pourquoi en France, on ne fait pas de la même manière, voilà, qui sont un peu spécifiques. Il y a la question de la laïcité. C'est vrai que l'Observatoire du décolonialisme est extrêmement dans des liens extrêmement proches avec le comité laïcité république qui s'était créé au moment du débat sur le voile au milieu des années 2000. Et donc il y a aussi cette notion mise en avant qui va avec avec l'universalisme et avec les grandes valeurs de la République, etc. Il y a les attaques multiples contre l'écriture inclusive. Décidément, enfin voilà, l'Observatoire, comme ses alliés, ne se remettent pas de la volonté d'introduire un point médian et défendent mordicus la langue française. Et puis, il y a aussi cette chose que
évidemment qui existe aussi ailleurs, mais que les universités françaises sont payées avec l'argent public et surtout qu'elles forment les futurs enseignants primaires et secondaires. Et donc, ce ne serait pas justifié de travailler sur tel ou tel sujet, pas jugé assez sérieux, avec des modes d'énonciation qui ne sont pas ceux qui devraient être ceux de la formation des enseignants-enseignantes. Voilà. Et en géographie, c'est typiquement ce qui fait que les études queer, les études sur la sexualité ne passent pas. Mais je pense que Raquel et Borghi en parlera mieux demain. Donc, je vais tout de suite passer la parole aux quatre personnes qui ont accepté de venir discuter de cette question. Donc, on va commencer par Audrey Célestine, qui travaille en sociologie politique à l'Université de Lille. Et elle travaille sur les enjeux de race en comparaison entre les États-Unis et la France, depuis en particulier leur territoire caribéen. Donc oui, voilà, je suis politiste et je suis maîtresse de conférences en études anglophones, même si l'essentiel de mes enseignements sont en sociologie politique et en histoire des États-Unis. Merci beaucoup pour l'introduction et puis merci beaucoup à Caroline et à Eric pour l'organisation de ce moment d'échange, de discussion. Et puis effectivement, ça fait du bien de voir qu'il y a pas mal de personnes intéressées par ces questions, parce que la séquence actuelle et ces derniers mois ont été un peu compliqués. En tout cas, moi, je ne les ai pas forcément très bien vécu, mais ils sont aussi une forme d'accélération de choses que j'ai l'impression d'avoir en même temps un peu toujours connues, comme universitaire, minoritaire en France, et travaillant sur des enjeux ayant trait à la question de la fabrication des identités collectives, de la race, des mobilisations de populations minoritaires. Et comme beaucoup de personnes, j'ai opéré une forme de détour en utilisant la comparaison pour pouvoir travailler sur des enjeux qui étaient des enjeux très français, mais que la comparaison avec les États-Unis me permettait d'aborder de manière peut-être un peu plus sereine dans le parcours académique qui m'a permis de croiser une partie des personnes qui sont connectées aujourd'hui, qui m'ont permis de pouvoir me réancrer en France à partir justement de ce travail comparatif. Et peut-être que ce que j'avais envie de présenter aujourd'hui, c'est finalement comment est-ce que j'ai essayé, en tout cas moi à mon niveau, de naviguer un peu tous ces enjeux-là, d'abord à partir d'une comparaison qui était ma comparaison dans mon travail doctoral, et puis après ce que j'ai fait de ce travail comparatif pour pouvoir à la fois travailler sur ces questions, mais essayer également d'intervenir dans le débat public autour de ces enjeux, tant pour la France que pour les États-Unis, un choix que je fais, qui n'est pas forcément toujours un choix très confortable, mais qui me paraît malgré tout important de faire. Et donc effectivement, on l'a vu dans les débats, dans la table ronde précédente, et je pense que c'est des choses qui ont été également abordées hier, on assiste dans le débat public français, dans cette première moitié du XXIe siècle, à une séquence de critiques extrêmement virulentes à l'encontre de ce qui est décrit comme un militantisme racialiste en France, qui serait le résultat d'une importation abusive, malhonnête, malvenue, de slogans et d'analyses qui viennent des États-Unis. Ça a été écrit par Marion en introduction. Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement, les arguments qui sont mobilisés, ils ressemblent très fortement à ceux qui pouvaient être employés au début des années 90, notamment dans des journaux, dans des tribunes de journaux de droite comme de gauche, autour de la critique du féminisme radical venu d'outre-Atlantique et qui mettait aux prises un modèle français de coexistence pacifique, marqué là aussi par un universalisme abstrait, avec des catégories communautaristes, aujourd'hui séparatistes, dans tous les cas extrémistes, qui morcelleraient, diviseraient, fractureraient la société française en provenance d'une société états-unienne qui, elle, serait marquée par le vrai racisme, qui n'est pas du tout quelque chose qu'on rencontre en France. Un vrai racisme virulent. Et donc, toutes ces controverses et ces polémiques, elles s'inscrivent dans plusieurs choses, notamment dans des formes plus anciennes d'anti-américanisme, mais elles sont également nourries par la croyance dans l'existence, pourtant largement amendée, largement critiquée, des notions de modèle français et de modèle américain qui seraient radicalement opposées.
Et pour moi, ça constitue un point d'entrée à l'analyse de la perception tronquée qu'on peut avoir de la société et de l'histoire, non seulement des États-Unis, mais également de la France, et de la manière dont la race comme régime de pouvoir et ses conséquences en matière de construction identitaire peuvent se déployer historiquement dans l'une et l'autre société. Et du coup, ça passe par le fait de tenter de développer une critique de l'idée d'une simple importation de ces catégories raciales et identitaires, qui seraient comme des choses qui seraient radicalement étrangères à la France, et du coup d'analyser les effets de circulation de personnes, d'idées, d'objets entre la France hexagonale, les marges coloniales et postcoloniales de la France, en particulier la Martinique et la Guadeloupe, et les États-Unis. Et finalement, d'essayer de comprendre ce que la situation états-unienne, elle produit d'effet dans la France contemporaine, mais en m'arrêtant un peu sur ce que ça produit également, ce que ça fait lorsque ça passe par les Antilles. Pourquoi ça permet d'éclairer le débat français, parce que je tiens malgré tout à d'approcher ces enjeux et ces questions de façon raisonnable et raisonnée. Et du coup, j'ai essayé de m'intéresser à la réception d'un certain nombre de débats, de polémiques, mais également d'écrits états-uniens qui montraient une vraie difficulté à penser non seulement la race en France, mais également tout ce processus de renversement de l'assignation raciale en identité dans le contexte des États-Unis, et d'essayer de comprendre ce que ça avait pu faire historiquement depuis au moins un siècle dans le contexte français. C'est une chose qu'on a vue de façon intermittente dans un séminaire animé avec des collègues historiens de l'Université Paris 8 autour de l'histoire sociale des populations noires, de montrer une histoire très française sur ces questions, mais parfois une histoire qui pouvait se faire au miroir des États-Unis ou d'autres territoires de l'espace atlantique. C'est une chose qu'on a pu faire à partir, par exemple, de la notion d'identité noire, la notion de blackness aux États-Unis, de voir à quoi ça correspondait en fait dans le contexte états-unien, pour montrer également la manière dont ça pouvait être construit historiquement à différents moments dans le contexte français, ce que le contexte français produisait lui aussi de configurations sociales, de configurations historiques et politiques qui faisaient advenir des assignations raciales, mais également des formes d'appropriation et du coup des formes d'identité fine ou épaisse, pour reprendre l'analyse telle qu'elle a été reprise notamment par Pape Ndiaye dans son analyse d'une condition noire. Et donc dans ce travail que je suis en train de mener, qui est vraiment en cours, dont je vous présente un peu des préliminaires, une chose qui m'a intéressée, on a beaucoup parlé des questions de circulation, d'importation, ça a été notamment la réception d'un auteur états-unien, noir américain dans le contexte français, c'est l'auteur Ta-Nehisi Coates. Il m'a intéressée pour un certain nombre de questions. Il m'a intéressé parce qu'il a passé du temps en France, mais également parce qu'il a été invité en Martinique à venir parler des mêmes questions, des questions qu'il pouvait poser dans le contexte de la France hexagonale, et que du coup de comparer la manière dont son travail pouvait être reçu dans l'un et l'autre contexte était intéressant, et le déplacement vers les Antilles, en particulier vers la Martinique, permettait d'envisager une autre manière d'appréhender ces questions-là dans un espace public marqué par les débats français, mais dans lesquels elles avaient également un certain nombre de débats et de polémiques, avaient également moins de prise pour tout un tas de raisons. Ce qui m'a intéressé, c'est de voir que dans l'espace martiniquais, dans lequel j'ai décidé de me décentrer, on était face à une politique culturelle qui date de plusieurs dizaines d'années, d'invitation d'artistes ou de grands noms de ce qu'on pourrait désigner comme l'Atlantique noire à venir évoquer la manière dont les choses se déroulent dans leur contexte et venir parler à une population familière d'un certain nombre de ces enjeux, familière de l'histoire de l'esclavage dont la mémoire est extrêmement présente localement, familière également du
de la migration, puisque ce sont des territoires qui ont fait l'objet de politiques publiques de migration organisées vers la France hexagonale notamment, et où les circulations sont extrêmement fortes, également des territoires dans lesquels la race est très fortement explicitée, de même que les identifications raciales, où la question des réparations est également un enjeu présent, un enjeu très présent dans l'espace public. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le contexte de la France hexagonale, l'arrivée de Ta-Nehisi Coates, elle a donné lieu à un certain nombre de commentaires, d'articles, un certain nombre d'invitations à la radio publique et de publications également, qui marquaient, non pas de la polémique, mais en tout cas une forme d'incompréhension malgré tout, pour un certain nombre de situations, un certain nombre de questions. Un exemple que j'avais trouvé assez marquant en 2016, lors de sa venue à Paris, c'est à la Maison de la Poésie, où il était invité, interviewé par un journaliste de France Culture. On lui demandait, face à son bouquin qui s'appelait « Une colère noire » en français, ce qui était quand même un drôle de titre, ouvrage qui s'appelait « Between the World and Me » en anglais, on lui demandait, vous évoquez la peur qui vous habite aux États-Unis, mais pouvez-vous envisager que les Blancs aussi puissent avoir peur ? Et c'est vrai que la question était surprenante pour cet homme ancré dans le contexte états-unien, mais elle était assez révélatrice de l'absence de familiarité des journalistes français avec ces enjeux dans le contexte français. Dans le cadre d'une campagne de promotion d'un ouvrage qui a permis à l'auteur de découvrir qu'il y avait peu de Noirs dans les rédactions françaises, dans le monde de l'édition, dans les publics, des lieux dans lesquels il pouvait être invité, mais également que sa présence même, elle suscitait une forme d'enthousiasme en France auprès de militants antiracistes, auprès de penseurs, d'intellectuels qu'il sollicitait, parce que la figure qu'il représentait, elle était elle était tout simplement absente en France. La figure, c'était celle d'un journaliste noir travaillant sur les questions raciales et dont l'œuvre est considérée comme extrêmement légitime. Sachant que c'est une œuvre qui est critiquable à tout un tas de niveaux, mais c'est vrai que cette figure-là, elle paraissait un peu étrange et particulière. Et du coup, moi, ce que je trouvais intéressant dans le parcours de quelqu'un comme Coates dans le contexte de la France, c'était une espèce de, à la fois une complexité, une manière de montrer la complexité de la question noire dans le contexte américain qui passait complètement à la trappe dans les médias français, et puis en même temps l'arrivée dans un contexte martiniquais dans lequel tout à coup ce qui était dit, ce qui était raconté faisait sens à l'intérieur d'une histoire qui était une histoire, elle, bien française, qui était une histoire empreinte d'esclavage, de racialisation, et qu'il était possible, en fait, ce que j'aimerais, à partir de cet exemple-là, que je n'ai pas vraiment le temps de développer, moi, ce qui m'avait fortement marqué en l'écoutant dans un contexte puis dans l'autre, c'était à quel point il y avait comme une possibilité d'avoir des débats et des discussions sur ces questions-là, sans que... la critique d'enjeux illégitimes ne parviennent, d'être finalement dans un espace public dans lequel il était possible de discuter, de débattre d'un ensemble de questions liées à la question raciale, de pouvoir le faire sur un mode qui n'était pas hystérisé, qui était, si ce n'est apaisé, puisque ces questions-là ne sont pas complètement apaisées dans l'espace public, Martinique serait mentir que de le dire, mais en tout cas donner la possibilité de décaler un peu le regard. Et c'est vrai que cet exemple-là, et on pourrait en trouver d'autres, donne à voir finalement ce qu'offre le décalage vers ce que la politiste Tidiane Larche appelle ces marges de la République française, pour essayer de comprendre les possibilités intellectuelles qui sont offertes par la compréhension des configurations spécifiques qui font advenir la race, comme le passé colonial, le passé esclavagiste notamment, et comme ce décalage, il permet une suspension du jugement au profit d'une connaissance plus fine de la société française notamment. Donc voilà, je vais m'arrêter là, mais on pourra reprendre pendant la discussion générale. Merci beaucoup. Marche. Merci beaucoup Audrey Célestine pour cette première présentation. Je vais continuer
avec l'ordre qui a été proposé dans le programme, et donc inviter Sandra Laugier à présenter, faire une petite présentation aussi de 10-12 minutes. Donc Sandra Laugier est philosophe, elle travaille à l'Université Paris 1, spécialiste en études de genre, de théorie du care, et notamment à travers ses chroniques dans Libération, elle a pris publiquement position sur les... sur la question des origines des oppositions françaises aux études de genre et de race et montrer le lien avec les politiques de Trump aux États-Unis. Merci beaucoup et merci vraiment à Caroline, à Eric d'avoir organisé cette rencontre et qui me permet aussi de retrouver tant de personnes que j'aime, donc c'est un grand plaisir. Donc je vais en effet reprendre quelques éléments sur cette French Touch qui est quand même en effet très particulière et notamment dans le monde académique puisque on assiste à une forme de radicalisation, hein, c'est vraiment le mot qui convient, d'un phénomène que de toute façon beaucoup de personnes qui travaillent sur le genre ont connu de longue date, hein, donc c'est pas du tout nouveau, hein, que cette sorte de volonté de déconsidérer le genre et l'intersectionnalité, ça a toujours été des recherches très minoritaire, mais bien sûr, cette volonté maintenant de déconsidérer, même de criminaliser ces recherches, c'est peut-être quelque chose qui devient plus fort, alors que ce sont des recherches qui, en réalité, sont parfaitement légitimes dans toutes sortes de pays, malgré les difficultés au niveau global, hein, qui ont été signalées. Mais c'est vraiment une rhétorique réactionnaire, hein, contre le genre qui s'est exercée malgré tout de longue date. Alors, je parle non seulement comme spécialiste du CARE, hein, donc je ne parlerai pas, mais aussi en tant que responsable à un certain moment au CNRS du soutien aux études de genre. Et je sais très bien qu'il y a eu toujours en fait des résistances très importantes au développement des études de genre. J'avais, et d'ailleurs, en revenant un peu à toute cette histoire, je me suis rappelé que j'avais dû faire un petit billet dans le journal du CNRS pour soutenir ces études de genre en 2014 en expliquant que ce n'était pas quelque chose qui était anti-scientifique. Hein, donc, je ne sais plus si je l'ai mis ou pas. Donc, je ne sais pas. Voilà. Alors, c'est assez ridicule comme argumentation, je ne le ferai plus puisque c'était vraiment pour expliquer que le genre, c'est sérieux et c'est de la science. Mais c'était pour justement légitimer au moment où on parlait des théories du genre et où on attaquait donc le gouvernement pour développer, répandre donc ces théories du genre. Et donc, l'idée était vraiment de montrer qu'en réalité, le genre, c'était tout à fait sérieux et scientifique. Donc maintenant, je trouverais à la fois ridicule, mais en même temps, quand je relis ce que j'écrivais là, je vois la dégradation, en fait, la dégradation du climat, puisque à cette époque, on pouvait très bien faire afficher par le CNRS qui avait un soutien extrêmement fort aux études de genre, hein, et d'ailleurs aux recherches sur le genre. On pouvait rappeler que le CNRS avait accueilli toutes sortes de chercheuses très importantes sur le genre, hein, comme Guillaumin et Delphi, et on pouvait aussi dire que effectivement les questions scientifiques étaient inséparables de questions sociales et qu'il fallait lutter pour la reconnaissance des inégalités, que ça faisait partie de la mission des SHS. Et tout ça, je le disais comme une sorte d'évidence, hein, pour défendre le caractère scientifique du genre. Et je me suis dit que là, maintenant, on ne pourrait plus avoir ce discours parce qu'effectivement, il y a une forme d'hostilité tout à fait fondamentale au domaine. Alors, bien sûr, étant donné qu'on est tous et toutes là, voilà, ce n'est pas une hostilité universelle, mais c'est une hostilité qui, comme le disait Nadia aussi tout à l'heure, hein,
c'est pas seulement la petite frange plus ou moins fascisante, mais c'est maintenant toute une espèce de marée libérale centriste qui se sent en fait confortée par cette espèce de rejet qu'il y a de tout ce qui touche au genre et à l'intersectionnalité. Donc, bien sûr, on peut se demander qu'est-ce qui se passe, alors qu'il y a eu toutes sortes d'argumentations, tout un travail qui a été fait, d'une part dans le domaine des études de genre, et puis dans la défense de ces études pour montrer leur dimension scientifique, en particulier pour les développer aussi dans le domaine des vraies sciences, hein, des sciences dures, de la biologie, etc. Donc, c'était une stratégie aussi pour les consolider. Finalement, ça ne sert pas à grand-chose, hein, c'est une bonne leçon aussi. C'est une parenthèse parce que je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais dans ce moment, dans le domaine de la santé, toutes les femmes que je connais, comme Ilana Levy ou Alexandra Soulier, qui travaillent vraiment dans une approche genre, se font vraiment traîner dans la boue, injuriées, ne peuvent pas proposer un seul projet. Hein. On est quand même dans une situation très, très dégradée du côté des études de genre et santé. En tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est l'idée qu'il y aurait une sorte d'invasion de l'université par les recherches sur le genre, c'est quelque chose qui est évidemment de l'ordre du fantasme. On sait toutes que, d'une part, c'est des études minoritaires, que c'est toujours un combat pour arriver à obtenir des postes, des financements sur ces thèmes, qu'il y a très peu de postes d'enseignement. Les centres de recherche se comptent sur les doigts d'une main. Justement, on avait pu créer le LEGS, qui est la seule UMR centrée sur le genre, donc un peu à la même époque. Il n'y a pas tellement de postes genre. Donc, en réalité, cette invasion, elle est absolument fantasmatique. Et bien sûr, le mot est utilisé pour, au contraire, vraiment rabattre ou freiner le développement de ces pensées. Alors, pourquoi? Bien sûr, on l'a dit depuis hier, hein, c'est vrai que genre, race, intersectionnalité décoloniale sont des concepts critiques qui permettent de voir et d'analyser des inégalités dans nos sociétés en particulier, et ça en fait des concepts qui sont perturbants pour la pensée conservatrice. Donc, ils ont toujours été en fait honnis par la droite et l'extrême droite, et il y a toujours eu, en particulier, Caroline le sait, le concept de care, bizarrement, qui peut paraître pas trop agressif, et très régulièrement aussi ridiculisé, attaqué, etc. Donc, il y a toujours en fait cette espèce de radicalisation contre la toute pensée critique. Il y a toutes ces tribunes récentes par des académiques qui vont attaquer leurs collègues, hein, quand même, en termes donc d'islamo-gauchisme et en les accusant de militantisme. Hein. J'ai lu ce qu'a dit Caroline hier aussi là-dessus. C'est vrai que quelqu'un qui soit un intellectuel qui est vraiment une militante maintenant, très à droite, nous accuse de militantisme, c'est vrai qu'on est extrêmement, on peut être extrêmement perplexe. Alors, bien sûr, il y a aussi la stratégie politique d'un gouvernement qui, on l'a dit hier, aussi drague à l'extrême droite et reprend effectivement l'agenda de l'extrême droite qui est toujours, en fait, historiquement, depuis le siècle dernier, la déconsidération hein, de certaines personnes. Alors, en ce moment, c'est toute personne qui n'identifie pas islam et attentat est dangereuse. Tout chercheur qui travaille sur le genre, la race, le décolonial est dangereux. Et donc, on a, je pense, une sorte de faction du monde intellectuel, académique, qu'on va retrouver dans ces tribunes, ces pétitions, qu'on va retrouver aussi pas mal dans l'Observatoire du décolonial, donc qui est effectivement assez médiatique, mais surtout qui a une sorte de proximité aussi avec le pouvoir macroniste. Hein, on l'a vu aussi au moment des lois sécurité globale, etc. Mais c'est une frange du milieu intellectuel dont on a dit sous nous tous ici qu'elle n'a pas en fait sa place dans le monde intellectuel académique en général. Hein, c'est des personnes qui ne dominent pas en fait dans les universités, dans les organismes de recherche. Et donc, ce qui est intéressant, c'est ce que je disais dans cette tribune là, sur Trump, c'est qu'on a un milieu intellectuel qui va un peu se sentir soutenu hein,
Donc, c'est ça, en fait, le militantisme. C'est le fait, en réalité, pour une petite frange intellectuelle, de profiter d'un soutien politique d'un gouvernement radicalisé. Hein, et ils se poussent, en fait, avec ça, puisque c'est pour la plupart des personnes qui n'ont pas, en fait, tellement d'influence intellectuelle hein, sur les étudiants. Ce sont souvent, on l'a dit, hein, des retraités ou des personnes qui n'enseignent pas, donc, ou très, très peu. Ils n'ont pas d'étudiants, ils n'ont pas de jeunes chercheurs. Il faut savoir ce que c'est que ces gens-là, hein, alors qu'ils sont ultra soutenus et qui bénéficient soit de bonnes positions, soit de gros financements. Et donc, ils ont un fort capital social. Ils ont une position dans les médias, ils ont une proximité au pouvoir, et donc là, ils ont une chance d'exister dans un monde universitaire qui est vraiment internationalisé, où ils ne sont pas très présents. Donc, leur seul moyen, c'est de déconsidérer leurs collègues, et en particulier, on a dit, de vraiment tout faire pour les priver de ressources. Hein. Et je crois que ça, c'est très important, l'argument financier, tout le petit jeu autour de l'argent public qui n'est pas bien utilisé avec le genre, le petit jeu pour contrôler le HCRS qui va évaluer les entités de recherche et décider lesquelles méritent en fait d'être financées. Je crois que là, on a vraiment une stratégie en fait pour surévaluer hein, pour un certain domaine donc de la recherche de l'activité universitaire qui est ultra minoritaire et vraiment médiocre et pas influent, au détriment d'une frange qui est représentée ici et donc avec les 500 personnes inscrites hein, et qui est extrêmement dynamique, attractive et créative. Hein. Donc, je crois que là, il y a vraiment une stratégie qui a été utilisée historiquement hein, dans beaucoup de contextes pour finalement mettre en avant des positions et des mouvements intellectuels. Donc, pour terminer sur cette analyse, hein, je crois que c'est vraiment intéressant de voir que, en effet, tous ces intellectuels donc réactionnaires vont parler de chape de plomb à propos du woke aussi, on en a parlé, hein, donc du fait qu'ils sont très malheureux, ils peuvent parler de rien, hein, donc il y a toujours ce discours-là hein, qui serait finalement que le fait même qu'il y ait donc des recherches dans l'université qui parlent de genre ou qui ne contrôlent pas en fait est quelque chose qui est une sorte d'atteinte à leur bien-être et à leur liberté, alors que de fait, je crois que toutes les personnes ici qui ont subi des attaques, on est nombreux, aucun de nous n'a jamais empêché qui que ce soit, un réactionnaire quelconque, de mener ses recherches. Et d'ailleurs, on parle beaucoup de la défense des sciences humaines et sociales, il faut quand même se rendre compte que c'est aussi dans le domaine des sciences humaines et sociales qu'il y a cette stratégie en fait, de prise de pouvoir en s'appuyant sur le gouvernement, donc prise de pouvoir militante, pour dominer, et que c'est le domaine aussi qui est le plus dominé par les hommes. On a quand même signé plusieurs pétitions ces dernières années pour dénoncer le faible nombre de femmes en histoire. En philo, c'est carrément zéro. Donc, je crois que là, voilà, la question, ce n'est pas les sciences, les SHS contre les autres sciences, c'est vraiment donc une volonté de prise de pouvoir en sciences sociales. Hein. Donc, c'est cela à quoi on assiste et c'est cela qui est donc derrière toutes ces espèces de réflexes de détestation qu'il y a contre les mots. Il y a maintenant des espèces de mots qui vont eux-mêmes devenir des signaux d'agression, hein, de haine, comme genre, race, intersectionnalité. C'est maintenant des titres. Hein, c'est des titres des magazines, hein, c'est des mots qu'on va afficher, par exemple, dans les débats, hein, dans la presse ou dans les médias. Donc, je crois que là, on a finalement une espèce aussi de transformation de la pensée en réaction quasiment animale à des mots-clés. C'est ça qui, entre autres, hein, qui m'avait conduite à comparer en fait toute cette mouvance à Trump et à même l'alt-right Trumpiste de Bannon hein, qui va vraiment en fait fournir sa grammaire à tous ces
à tous ces mouvements-là. Hein. On sait aussi que Trump avait tout fait pour modifier l'éducation, hein, les données, en particulier supprimer les études afro-américaines, promouvoir une nouvelle version de l'histoire des Noirs. Donc, en fait, il y a quand même des similarités très intéressantes entre la stratégie de Trump et celle de nos ministres actuels, alors que, évidemment, eux-mêmes n'auraient pas eu de mots assez durs pour un populiste comme Trump. Hein. Donc, j'ai remarqué, hein, puisque j'avais fait cette comparaison, que bizarrement, alors que je pensais que c'était assumé, vu qu'ils étaient vraiment exactement sur la même position, en fait, ils trouvaient très injuste donc les réactionnaires français d'être comparés à Trump. Donc, je demandais pourquoi, hein, c'est une question. Et puis, juste pour conclure, il me semble que bien sûr, ce qui est mal supporté en fait, par toute cette frange réactionnaire intellectuelle qui veut prendre le pouvoir et avoir une forme de maîtrise du domaine des sciences humaines et sociales, en utilisant cette accusation de militantisme, c'est évidemment tout simplement l'intervention de nouveaux acteurs. Alors évidemment, dans la recherche, hein, tous les étudiants qui s'intéressent à ces questions dans l'université, et puis le fait qu'il y ait aussi toutes sortes de nouvelles personnes qui participent à la production de connaissances, hein, pas seulement les intellectuels installés, mais aussi les jeunes, aussi les activistes qui contribuent aujourd'hui en fait à la constitution de la pensée. Et il me semble que c'est cela aussi au fond, hein, au plan épistémologique. Je pense que l'enjeu, il est vraiment là, accuser de la recherche d'être militante, c'est tout simplement refuser qu'elle soit de la vraie recherche, hein, parce que la question, ce n'est pas de dire que le militantisme ou l'activisme soit compatible avec de la bonne recherche, hein, ça on le sait très bien, mais c'est plutôt que, effectivement, des formes d'engagement, tout ce que nous apportent toutes ces recherches, l'attention à des nouvelles réalités, en fait, c'est la condition, hein, de faire d'une véritable, pour revenir à mon point de départ, les conditions d'une science, hein, d'une véritable recherche. Et donc, il me semble que là, c'est une question politique, c'est une question intellectuelle, et c'est aussi une question de démocratie, hein, puisqu'il s'agit vraiment de faire place en fait, à tous ces nouveaux points de vue et toutes ces nouvelles formes de connaissances. Et il me semble qu'au fond, c'est aussi cela qui est rejeté de façon très fondamentale par toute une partie particulièrement arriérée du monde intellectuel. Merci. Eh bien, merci beaucoup, Sandra Logier, pour cet éclairage très précis aussi des pratiques et des stratégies, des tactiques aussi de la réaction. Donc, merci beaucoup. Je vais passer maintenant la parole à Philippe Marlière, donc professeur de sciences politiques au University College de Londres et qui a notamment pris récemment publiquement position dans le débat, ou en tout cas par rapport aux attaques sur l'islamo-gauchisme, notamment pour questionner le rejet des études sur la race, sur le genre, sur l'intersectionnalité, sous prétexte que ce sont des théories américaines. Merci Audrey. D'abord, je voudrais remercier de leur invitation Caroline et Eric à cette conférence très importante. Et je crois que ton timing, évidemment, on ne peut plus pertinent. J'ai préparé une intervention pour ne pas dépasser les 10 minutes en 6 points. C'est une façon de m'auto-limiter parce que ce n'est pas mon fort en général. Donc, si je dépasse, faites-moi signe, évidemment. Donc, 6 points pour finalement poser quelques jalons, hein, pour un peu topographiques de la French Touch, de la répression, comme le titre de ce panel l'indique cet après-midi, qui semble passer en France par le combat contre l'hydre islamo-gauchiste. Ça, par contre, c'est dans toutes les séries les éléments qui montrent l'exceptionnalisme, l'exceptionnalité française s'en est un, le terme, le néologisme, peu usité, voire pas usité du tout à l'étranger.
et son pendant qui est la défense, et en France, c'est aussi très français, la défense des valeurs républicaines, notamment sa valeur cardinale, l'universalisme. Alors, premier jalon, je pense qu'il est intéressant de commencer. Alors, il y aura des recoupements avec ce qui a été dit, évidemment, depuis hier, mais en espérant que cette intervention puisse en faire une forme de synthèse provisoire. D'abord, c'est de partir des conflits dans le champ universitaire français. Ça, je trouve ça effectivement. Il y a eu quelques papiers qui sont sortis assez bien faits, mais je pense que c'est un point de départ important pour aboutir finalement à constater que, et je ne citerai pas non faute de temps, et puis aussi, on va pas jouer à ce jeu, les opposants le font, je crois, à l'envi. Restons au-dessus de là, mais si on prend par exemple les associations principales qui mènent le combat contre le soi-disant islamo-gauchisme universitaire, Vigilance Université, l'Observatoire du décolonialisme, et puis votre ministre de tutelle, Frédéric Vidal, qui est une ex-universitaire, ex-président d'université, eh bien on s'aperçoit que la règle, c'est que plus on est éloigné du champ des sciences sociales, plus on a un point de vue sur ce débat, et plus ce point de vue est hostile aux sciences sociales critiques, et plus il est virulent. Je crois que c'est une règle générale qu'on peut poser dès le départ. On s'aperçoit aussi que sur les listes de personnes qui s'agitent autour de l'islamo-gauchisme pour le dénoncer, on a des universitaires, donc je l'ai dit, qui ne travaillent pas dans le métier, n'est pas d'être chercheur dans les sciences sociales en général, qui sont, ce qui m'a frappé aussi, pour la plupart à la retraite, hein, beaucoup de professeurs émérites signent, et la plupart, et ce n'est pas en soi une remarque condescendante ou de surplomb, mais qui ont souvent mené une carrière franco-française, et finalement, ce qui en soi est tout à fait respectable, mais c'est tout à fait intéressant de noter cela dans le cadre d'un positionnement contre les théories étrangères, notamment les théories soi-disant américaines. Et finalement, pour certains, comme Bourdieu l'aurait dit, quand il parlait de misère de position, qui finalement semble, pour certains, craindre un petit peu sur leur propre positionnement dans le champ. Par misère de position, Bourdieu entendait cette forme de frustration liée à une position objectivement ou subjectivement subalterne, dominée ou menacée dans un champ. Donc je crois que, sans citer de nom, on pourra avoir à l'esprit certains exemples qui permettent, je crois, de commencer, qu'il y a quelque chose d'assez étonnant hein, dans cette cartographie des chercheurs, des universitaires qui mènent ce combat contre l'hydre islamo-gauchiste. Deuxième jalon, ça on l'a déjà dit, mais je voudrais insister sur ce point tellement il est patent, c'est le couple anti-intellectualisme et anti-américanisme. Alors, l'anti-américanisme, c'est quelque chose qui traverse la société française, qui traverse d'ailleurs de nombreuses sociétés. Il est à la fois de droite et de gauche historiquement en France. Il y a plutôt un anti-américanisme sur les questions sociales et économiques à gauche, et puis un anti-américanisme lié aux questions culturelles à droite. Avec ce débat, j'ai l'impression que l'anti-américanisme est en train de passer globalement à droite, hein, vers une droite réactionnaire. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cet anti-américanisme qui se double d'un anti-intellectualisme, ça on l'a aussi dit, hein, de voir un petit peu la nature élusive, vague et assez très pauvre des critiques contre le soi-disant islamo-gauchisme et l'importation de théories américaines, eh bien, en réalité, on s'aperçoit que c'est une manière de rejouer un combat, un vieux combat qui est celui, l'énième tentative de liquider ce qu'on pourrait appeler l'héritage de mai 68. C'est assez approximatif de dire ça, mais c'est un repère. On voit bien ce que c'est à partir de mai 68, dans l'université au-delà, effectivement, un vent critique a soufflé dans les rapports, notamment de genre, de classe. Peut-être pas de race tout de suite, mais il y a eu effectivement beaucoup de choses qui sont passées. Le féminisme a évidemment pris son essor dans l'après-68. Donc, je crois qu'à travers ce prisme, et notamment à travers, et c'est le thème central de cette conférence, des critiques d'études de genre, on a effectivement une manière assez indirecte de pouvoir remettre sur la table la question de la liquidation de l'héritage de 68 qui revient périodiquement. Je crois que la dernière fois au niveau
politique. Il y avait eu cette tentative, il y a eu ce débat, c'était lors de la présidence Sarkozy. Cette fois-ci, cette différence n'est plus un conflit de type lutte des classes, entre des visions socio-économiques différentes de droite et de gauche, mais à travers un conflit de civilisation ethno-raciale contre, soi-disant, islamisme radical. Alors, il y a un paradoxe, c'est que votre ministre de tutelle et l'université française, ceux qui la dirigent, demandent depuis quelques années à l'université française de se soi-disant moderniser, de s'internationaliser pour être compétitif, notamment dans le classement de Shanghai. Et donc, ce qui impliquerait, selon moi, de participer à des conférences internationales, de publié dans des revues non françaises, donc dans les sciences sociales, essentiellement en anglais, et finalement de se frotter à tous ceux, toutes celles qui, dans les sciences sociales, eh bien, utilisent à l'étranger ces notions tant vilipendées en France, intersectionnalité, race, blanchité, genre, décolonialisme. Donc il y a, je crois, un grand paradoxe, il y a une espèce de contradiction qu'il faudrait, je crois, dans un débat public, relever, à satiété, parce qu'effectivement, on ne peut pas faire les deux à la fois. Et aussi l'oubli que la fameuse French Theory, whatever that means, a été et demeure populaire sur les campus américains et au-delà, Bourdieu, Beauvoir, Deleuze, Derrida, Fanon, Foucault, etc. Troisième jalon, j'en viens au cœur de mon propos, qui est la French Touch de la répression. Et ce qui est important de noter dans cette topographie, c'est qu'elle part du champ politique et s'est étendue vers l'université. Donc, je crois que la chronologie est là, avec des relais semi-savants entre les deux, hein, notamment le Printemps républicain, puisque son fondateur, Laurent Bouvet, est un universitaire. Et il n'est pas le seul dans ce petit groupe. On le voit tout à fait. Hein, ce sont Macron, Darmanin, Vidal qui ont lancé ce débat selon des modalités et des terminologies différentes sur l'islamo-gauchisme. Et donc, on a une amplification de ces débats médiatiques, politico-médiatiques, nauséabonds, qui ne sont pas de facture universitaire scientifique et qui ont pris pied soudainement dans le champ universitaire. Alors, ça ne date pas effectivement de ces derniers mois, voire de ces dernières années. Ça a probablement précédé l'arrivée au pouvoir de Macron, mais je crois qu'il y a une accélération très forte. Et dans ma conclusion, j'essaierai d'expliquer pourquoi. En tout cas, je lancerai une hypothèse, j'émettrai une hypothèse. Et ce débat, en quelque sorte, c'est une façon de remettre, évidemment, de faire taire les universitaires critiques qui travaillent dans leur domaine, en les taxant d'anti-républicanisme. Ça, c'est vraiment le mode opératoire, le modus operandi français, un vrai terrorisme intellectuel, ce qui veut dire, dans le langage, ce n'est jamais dit, mais ce qui veut dire implicitement que vous êtes des anti-patriotes, c'est-à-dire des anti-français. Donc, on voit qu'il y a la charge est extrêmement lourde. Je crois que ce n'est pas assez suffisamment explicité, dit dans le débat français, mais je pense que c'est aussi un élément à tenir en compte. Je travaille depuis longtemps au Royaume-Uni et montrer une comparaison, la France se rapproche, selon moi, des régimes illibéraux qui traitent évidemment très mal les sciences sociales, je pense à la Pologne et à la Hongrie, est beaucoup plus proche de ces deux pays que le Royaume-Uni, qui pourtant est dirigé en ce moment, qui connaît une phase conservatrice avec le Brexit, avec le gouvernement Johnson. Mais le débat au Royaume-Uni, qui pourtant fait hurler mes collègues britanniques, est en ce moment sur la cancel culture, et le gouvernement fait pression sur les campus, notamment les organisations étudiantes, davantage que les chercheurs d'ailleurs, ou les universitaires, pour imposer, c'est le cas, des orateurs, des oratrices qui tiennent des propos sexistes ou racistes. Donc il y a ce combat au nom de la liberté d'expression pour les imposer. Voilà où est le cœur du débat au Royaume-Uni qui crée beaucoup de remous et d'émoi. Il me semble que la situation française est beaucoup plus grave puisqu'on a effectivement un appareil d'État, un gouvernement relayé par des médias, relayé par des associations demi-savantes comme le Printemps républicain, et ensuite des associations pseudo-scientifiques au sein de l'université qui mènent le combat littéralement pour véritablement saper les réputations, le travail de collègues qui font bien leur travail. Donc on voit que de ce point de vue-là, il est aussi intéressant de positionner la France dans le champ européen, et quand on le fait, eh bien, la France se retrouve davantage, selon moi, plus proche des démocraties illibérales
que des démocraties néolibérales ou conservatrices. Quatrième jalon, j'irai très vite, c'est un point important, mais juste pour noter que dans les années 90 et les années 2000, les débats universitaires avec leurs ramifications politiques, médiatiques, leurs débouchés médiatiques plutôt, étaient de facture davantage économique. Vous vous souvenez de ces débats sur l'altermondialisme, sur économistes orthodoxes contre hétérodoxes. Eh bien, on ne les entend plus, à mon avis, ces universitaires, ces économistes, notamment en France. Non pas que le débat soit réglé, mais je pense que la question est partie ailleurs. Elle est partie justement sur le terrain de ce qu'on pourrait appeler des questions qui mettent en ce que les anglophones appellent les life choices, hein, c'est-à-dire en France, je n'aime pas le terme, il est très vague, les questions sociétales. Notamment question de genre et de race. Donc, il y a un effacement. Donc, quelque sorte, le nouveau marxisme universitaire sans Marx tourne autour de ces questions. Et je pense que c'est un point aussi qui doit nourrir la réflexion, parce que les questions d'exploitation économique et de rapport de classe sont toujours là, plus que jamais. Il y a eu quand même ce, quoi qu'on puisse en penser de ce mouvement, le mouvement des Gilets jaunes a duré. Et aujourd'hui, il est effacé. Cinquième jalon, j'emploie dans mes publications de divulgation en ce moment le terme américain de culture war, guerre culturelle et Amérique, et donc pour réfléchir à l'américanisation des échanges académico-médiatiques, notamment en France. Et c'est vrai, et là-dessus on pourra être d'accord avec nos opposants et ennemis dans le champ, il y a véritablement une américanisation en cours du champ académique français. Simplement, pas comme l'estime ou le présente les opposants, c'est-à-dire pas selon des paramètres liberal à l'américaine, c'est-à-dire de gauche, mais au contraire selon des paramètres trumpiens, c'est-à-dire d'une importation d'idées réactionnaires de la droite américaine. Et une hypothèse, je n'ai que le temps de la citer sans développer, mais c'est que pourquoi tout à coup les plaques tectoniques se mettent à bouger étonnamment vite et les fissures se apparaissent? Je crois qu'évidemment, il faut réfléchir à ce qu'a signifié la victoire de Macron en 2017, qui a véritablement dynamité l'opposition des 50 dernières années entre une alternance entre un parti principal au centre-gauche, le PS, et un parti principal au centre-droit ou à droite, aujourd'hui incarné par les Républicains. Ces deux partis sont aujourd'hui à l'agonie, et je ne vois pas d'avenir pour ni l'un ni pour l'autre. Et donc, effectivement, cette vampirisation des deux forces d'alternance par Macron, qui occupe non seulement, qui a piqué une partie de l'électorat socialiste et qui va le conserver, qui occupe fermement le centre et maintenant qui lorgne de plus en plus et gagne du terrain à droite, effectivement, a explique pourquoi ces guerres culturelles trouvent un terrain totalement fertile pour se développer actuellement, et puisque Macron, et c'est son objectif, et d'ailleurs en faisant cela, nous le savons tous, il joue avec le feu, veut que son unique opposant soit l'extrême droite et Le Pen. Donc effectivement, il n'est pas étonnant que dans ce contexte américanisé, mais selon les paramètres de la droite américaine, on se retrouve avec des guerres culturelles incessantes autour des valeurs républicaines de laïcité. Sixième et dernier point, très rapidement, je parle de nationalisme universitaire en France. Ce n'est pas un bon mot, je pense qu'il y a quelque chose qui se trame là-dessus, et c'est très grave évidemment, qui serait l'espèce de pendant de la promotion de la science prolétarienne dans l'URSS de Staline, si vous voulez, une forme francophone de lysenkisme pro-soviétique, c'est-à-dire qui manie l'autoritarisme, l'anti-intellectualisme, qui est très fort, qui sont deux notions incompatibles avec les libertés académiques, basées sur l'investigation critique et le débat argumenté critique. Merci beaucoup pour cette présentation et cet éclairage. Et donc, pour avoir un peu de temps au débat, je vais donner tout de suite la parole à Mam Fatou Niang, qui va donc nous parler aussi de...
enfin, elle va nous parler de ce qu'elle veut, mais voilà, avoir un éclairage aussi depuis les États-Unis. Donc, Mam Fatou Niang est professeure en études françaises à l'université de Carnegie Mellon à Pittsburgh, aux États-Unis. Elle est aussi documentariste et elle a travaillé notamment sur la représentation des femmes noires en France, en particulier depuis les espaces de l'autre côté du périphérique. Et je la laisse peut-être compléter cette présentation et donc nous faire sa présentation. Merci beaucoup, merci. Merci à Caroline et à Eric voilà, pour ce rassemblement qui, pour moi, fait partie aussi des stratégies que je développe, que je préconise face à cette montagne de n'importe quoi que l'on se prend. Alors, en février dernier, j'étais aux États-Unis, j'étais à New York et avec des collègues, on assistait au marathon de déclaration de Frédéric Vidal. Et c'était les collègues américains qui étaient absolument médusés et qui pour beaucoup se voyaient un peu transportés comme ça dans les premières heures du régime trumpien avec ses sorties de Kellyanne Conway sur les faits alternatifs. Entendre comme ça Vidal chercher un lien entre études postcoloniales et la présence de drapeaux confédérés dans le Capitole américain, la voir brouillonnement comme ça répondre à cette question sur le lien, sur cette filiation de l'islamo-gauchisme qui serait comme ça un fruit des amours improbables entre Mao Zedong et l'Ayatollah Khomeini. Et donc voilà, j'avais ces collègues qui étaient complètement ahuris, qui me disaient « Is this France ? Est-ce que c'est bien la France ?» Et ouais, c'est la France, c'est le pays de Foucault pour un Américain, voilà, le pays de Deleuze, de Fanon. La patrie des intellectuels, et je leur disais même qu'il y avait quelque chose de typiquement, de viscéralement français dans cet épisode-là, qui, on le sait, s'insère dans une séquence plus longue avec Macron, Blanquer, Darmanin, ça a été rappelé ici, et toutes ces nombreuses officines qui gravitent autour d'eux, cet arc politico, médiatico-universitaire qui dénonçait la dangerosité de chercheurs qui entretiendraient et le séparatisme, cherchent la mort de la République et entretiennent cet entrisme islamique. Et comme Philippe, Audrey et d'autres avant moi l'ont bien remarqué, moi j'expliquais à ses collègues américains mais aussi étrangers qui étaient rompus aux polémiques que nous avions nous sur le sol états-unien, les formes que cette French Touch pouvait prendre, donc de l'attitude presque anale en France autour de la question raciale, à l'injonction de gratitude des minorités et l'incompréhension face à la visibilité grandissante de certaines minorités, de certaines voix sur l'espace public, le républicanisme cocorico complètement délirant, la défense de l'exceptionnalisme français, une ignorance du passé qui est savamment nourrie par les amnésies aussi entretenues du roman national, et puis un anti-intellectualisme qui était mené par des élites, et nous l'avons aussi rappelé ici, on pense à la proportion absolument délirante de professeurs émérites dans les rangs des signataires des différentes tribunes qui fleurissent un peu partout, le fait que la charge vienne de l'Élysée, de la place Beauvau, etc. Et aussi, je pense que c'était très bien que tu l'aies mentionné, Philippe, cette insularité intellectuelle de chercheurs que nous était absolument inconnue pour nous depuis les États-Unis, donc de chercheurs qui ont fait la majeure partie de leur carrière en France en réfléchissant sur les questions françaises. Et quand je dis la France, je pense bien sûr à l'Hexagone. Donc, je m'appelle Mam Fatou, je suis professeure associée en études françaises avec une spécialisation sur la question raciale en France. Et je vais vous parler très, très vite de mon parcours depuis 2006, parce que ma présence ici parmi vous, elle n'est pas fortuite et elle est liée à un enchaînement d'événements qui font écho au sujet de ce séminaire. Et ces événements ont fait germer ma passion pour ma recherche, l'ont arrosé, l'ont ancré, tout en guidant mes investigations, mes pérégrinations. Et tout ça pour dire que ma pratique académique, elle n'est pas hors sol, elle est située. Elle est enracinée dans un parcours que je reconnais et que j'assume surtout avec beaucoup d'honneur. Alors, je suis française, je viens d'un pays qui se dit aveugle à la couleur, mais un pays qui me renvoie à celle-ci dès que je sors des deux cadres d'intervention qui me sont autorisés, c'est-à-dire le silence ou la gratitude. Donc, dès que j'empiète hors de ces deux enclos, on me demandera plus ou moins poliment, gentiment, violemment, des fois, de retourner au Sénégal, pays que ma famille a par ailleurs quitté en 1835. Vraiment avec cette idée de, voilà, comment est-ce que j'ose quitter la place qui est tacitement la mienne dans l'espace public, dans ce pays, pour oser interroger, douter, critiquer, échafauder de nouveaux plans, penser à d'autres horizons, penser depuis d'autres horizons, et voilà, rebattre un peu les cartes de cette cosmovision républicaine.
Je fais partie d'une génération de Français issus d'eux, comme on nous appelle. Donc, des étudiants qui ont quitté la France au milieu des années 2000 pour principalement les États-Unis et puis un peu le Canada. Et c'était donc cette génération qui a été à la fois sonnée et aussi regaillardi par le racisme extraordinaire qui a été déployé, qui s'est déployé durant les années Sarkozy. Donc une génération qui a pris au mot la France, on l'aime ou on la quitte, de ce petit Nicolas. Et pour moi, la relation étant compliquée, je suis partie. Alors il y a quelques semaines, je devais parler de mon parcours depuis 2006 pour un dossier de candidature. Et je vais vous lire très très vite les deux premiers paragraphes donc, où je parlais de mes premières semaines aux États-Unis en 2006. Donc je vais vous lire ça. Alors, 28 août 2006, premier jour de cours à l'Université Brown où je séjourne dans le cadre d'un programme d'échange de 9 mois. À la fin du premier cours sur les littératures de la diaspora africaine, le professeur Dr. Trickle Rose s'est adressé au petit groupe d'étudiants venus de France. « Je suis heureuse que vous soyez là et nous serions ravis de vous entendre sur Fanon. » Nous avions tous opiné, tout en n'ayant aucune idée, la moindre idée de qui était cet homme, Fanon. Je sortais de Cagnes, j'étais censée être familière avec les figures canoniques de l'histoire et de la littérature française. Pourtant, ce nom Fanon était inconnu. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai lu Zora Neale Hurston, James Baldwin, Richard Wright, Edward Kamau Brathwaite, mais j'ai aussi lu pour la première fois Aimé Césaire, Frantz Fanon, Maryse Condé, Assia Djebbar, Robert Hort, Edouard Glissant, Jeanne Nardal, Patrick Chamoiseau, Yva et Jeanne Leroux, des noms de penseurs, d'artistes français comme moi, issus d'eux, des personnes qui ont pensé, théorisé, couché sur le papier, modelé dans la glaise, ce que c'était d'être français sans lettres, ce que c'était d'être effacé par la parure républicaine, ce que c'était d'être à l'intersection de tant de différences qu'il devenait impossible d'être perçu comme appartenant au centre, ce que c'était d'être effacé de l'album de famille. Cette période dans la classe de Dr. Rose a été éclairante, excitante, intrigante. Elle allait poser les jalons des 15 années à suivre et ancrer dans ma recherche un certain nombre de questions. Comment ? Comment est-il possible d'effacer autant de noms, de dates, d'événements de notre littérature, de nos sciences, de notre canon, de notre mémoire ? Quel est l'impact de ces processus d'effacement sur le processus historique de fabrication de la France, ainsi que sur la compréhension contemporaine de ce que nous sommes en tant que pays, de qui nous sommes ? Comment est-ce qu'un retour sur ce passé en vue de le désilencier peut-il nous permettre de saisir la modernité française dans toutes ses contradictions et limites, afin de proposer à terme une lecture contemporaine de nous, de la République, de l'universalisme, qui soit fidèle à la fois à notre temps présent et au passé qui a façonné la francité et la société française. Je posais aussi la question, voir comment sortir des carcans épistémiques, des barrières dans la langue, dans la constitution et la reproduction des savoirs. Et ce que je posais, donc là, en tant qu'étudiante de 14 ans, c'était la question de la liberté de chercher et de pouvoir bifurquer des travaux que je faisais à l'époque à Lyon 2 sur Virginia Woolf et qui étaient acceptés avec bonheur par la fac, à un master sur le rire dans l'Atlantique noir et donc parler, voir la montagne d'obstacles qui s'élevait miraculeusement, vraiment d'un coup, devant moi. Alors, par rapport au débat très virulent auquel nous assistons depuis quelques années, et débats qui se sont, comme on l'a dit depuis quelques jours, depuis hier, intensifiés depuis le mois de juin dernier, de mon point de vue de chercheur femme et minoritaire, je ne peux absolument pas me résoudre, au vu de ce parcours-là, de cette histoire-là, à essayer de justifier ou d'expliquer que non, le politique n'infiltre pas la recherche scientifique, etc. Parce que ce qui m'intéresse, c'est justement de penser la recherche comme une production du politique et d'éviter de rester prisonnier de cette rationalité institutionnelle-là qui, moi, a failli me faire louper ma vie états-unienne en 2006, parce qu'elle a le pouvoir de définir ce qui est légitime et ce qui est illégitime. Virginia Woolf, oui, le rire dans l'Atlantique noir, non, ce n'est pas de la recherche. Donc, ma voix, mon corps, me désigne de facto comme quelqu'un qui infiltre et quelqu'un qui politise des espaces dans lesquels j'arrive, alors que ces espaces le sont déjà hautement politisés, hautement disciplinés avant mon arrivée pour servir une certaine norme. Alors, dans mon travail, je pose vraiment cette question de l'indiscipline et des stratégies et personnelles et collectives face à ce swamp, pour le coup, ce marécage nauséabond, car on ne peut absolument pas vouloir que la recherche en sciences sociales serve autre chose que la simple accumulation de connaissances objectives, etc., qu'elle puisse aussi servir l'organisation, nous servir individuellement, nous servir collectivement dans la production de stratégies, de réponses, de régimes d'énonciation dans des mobilisations qui sont politiques, et nous n'avons pas à rougir du mot, qui favorisent toujours plus de progrès, d'émancipation, etc. Donc, j'ai beaucoup réfléchi à ces questions depuis l'épisode de la fresque d'Irossa, donc cette fresque qui commémore l'abolition de l'esclavage à l'Assemblée nationale il y a 2 ans et qui nous a valu à mon collègue Julien Ciodo et moi
Voilà, je pense que nous avons, comme je disais, Unleash a Tsunami in a Beret. Et donc, dans un article publié en octobre dernier, c'est dans un ouvrage à paraître l'an prochain, j'observais les particularités des attitudes françaises face à la question raciale. Et cette fresque-là, donc d'Hirosa au Palais Bourbon, et la levée de bouclier qui a suivi notre interrogation sur sa présence, sa fabrication, et puis surtout la réponse de ce spectre politico-médiatique qui a suivi notre interrogation sur la possibilité de figurer notre histoire, une politique mémorielle sur l'esclavage par un objet visiblement raciste, constitue pour moi un formidable condensé des particularismes français. Donc très très vite, il ne reste plus que 4 minutes. Par rapport aux stratégies, moi je pense à vraiment deux types de stratégies, d'abord individuelles et collectives. Pour les stratégies individuelles, la leçon que vraiment j'ai retenue de cet épisode qui finalement a transformé un séjour de 9 mois aux États-Unis en 16 ans de vie, c'est le développement de deux politiques qui pour moi m'accompagnent depuis ces 15-16 années, qui sont la politique du compagnonnage et la politique du plaisir. Et donc deux choses dans lesquelles moi je m'engage vraiment activement dans l'enseignement, dans chacun de mes projets, qui me permettent de naviguer les eaux saumâtres, troubles, nauséabondes dans lesquelles nous sommes plongés depuis certes quelques mois pour certains, depuis quelques années pour d'autres. Donc, être une femme noire dans le projet moderniste européen, c'est évoluer à la marge des récits officiels, exister souvent dans les angles morts et les silences. Mais cela signifie également que lorsqu'on sait écouter ces silences-là, on n'est jamais vraiment seul et que nous sommes constamment entourés par ces silences, les silences de l'histoire, les silences de l'actualité. Et mon corps de travail, que ce soit mes films, la photo, les écrits, je l'envisage un peu comme une sonarchéologie de sons. Et des silences à la fois donc dans les écrits et dans l'environnement vécu. Et je cherche constamment donc les moyens de domestiquer ces silences. Et c'est par exemple ce que nous faisons actuellement dans un collectif de chercheurs, de femmes noires, réunis autour de Kayama Glover de Barnard College et le Unsilenced Past Project, où nous tentons de repousser cette rhétorique de la surprise autour du climat actuel, donc unprecedented, qu'on voit des deux côtés de l'Atlantique, alors que, que beaucoup semblent surpris ou frappés par la nouveauté des événements. Voilà, nous avons vécu avec ces silences-là et à travers cette camaraderie et cette manière de harness, de domestiquer le silence, nous essayons aussi d'acquérir un sens de l'histoire plus long et un sens du présent plus long. Et ça m'amène à mon deuxième point, qui est la politique du plaisir, donc une politique à entretenir dans ces moments-là où on plonge aisément, où on peut plonger aisément dans la rage, le désespoir ou le deuil. Et ça, ce plaisir, contraste tellement avec ce que je vois devant moi, dans les yeux de mes détracteurs, de quelque chose que j'ai longtemps pris comme du pouvoir, mais comme le dit Baldwin, en fait, de la peur et de la terreur face au futur, au présent et au futur que nous dessinons. Et une fois que l'on s'en rend compte, et ça demande aussi d'être appuyé, c'est pour ça que des espaces comme celui que vous créez là, Caroline et Eric, sont absolument essentiels. Une fois qu'on s'en rend compte, l'équilibre des pouvoirs se déplace intérieurement, vraiment dans la tête et dans le cœur. Et c'est vrai que le climat, il est terrifiant, il est mortifère, mais cette politique du plaisir est une affirmation du soi, une affirmation du groupe et un refus de s'effacer. Et je vais terminer avec les stratégies collectives. Pour moi, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes et que je vois depuis 14-15 mois, depuis le discours de Macron sur le séparatisme, les chercheurs qui cassent la République en deux, c'est qu'il faut refuser. Il faut refuser de défendre ces études sur le racisme, le genre, au nom de leur scientificité et du fait qu'elles ne relèveraient pas du politique. Ce qu'il faut, c'est vraiment qu'on s'engage à révéler justement la dimension politique de ces accusations-là, de ces attaques-là et de cette opposition qu'on veut tenter de faire entre ce qui est scientifique, ce qui est militant, ce qui est objectif, ce qui ne l'est pas, etc. Et qui sont des séparations absolument profondément révélatrices d'un mouvement conservateur, on l'a dit ici, qui abuse des arguments d'autorité afin de préserver ses institutions, les égaux, les privilèges, etc. Et plutôt que d'établir ce qui relèverait de la vraie science, etc., qu'il faut situer les différents niveaux de discours comme des objets qui sont là, qui ont des enjeux, qui ont des finalités, qui ont des méthodes propres, etc., comprendre et démystifier véritablement les logiques de leur production, les logiques de leur circulation, la manière dont on adhère ou on conteste ces logiques-là. Donc, ne pas seulement se soucier de l'objectivité de nos travaux, moi, je le vois beaucoup avec des collègues, avec des doctorants qui rentreraient dans les rangs comme ça, mais les penser aussi véritablement comme un engagement, comme quelque chose qui a une prétention normative, un chemin vers d'autres idées, vers de nouvelles idées, vers de nouvelles valeurs, etc. Et là, et je voudrais terminer sur le
deuxième point qui pour moi est extrêmement important, c'est qu'avant de concerner aussi largement le monde académique, ces attaques, elles ont été pendant très longtemps dirigées contre des chercheurs racisés dans le silence le plus total, sans qu'on voit vraiment un engagement significatif de nos collègues. Et il est vrai que la situation aujourd'hui, elle prend des proportions absolument inquiétantes, mais il y a longtemps que des chercheurs noirs, des chercheurs maghrébins, musulmans, qui travaillent sur l'héritage colonial de notre pays, sur le patriarcat, sur la domination masculine, sont accusés d'être des traîtres à la patrie, d'être complices de meurtres politiques et ont vu leur carrière, leur vie ralentie, voire déraillée, et où ont été obligés de s'expatrier, comme ça a été mon cas de la France, pour pouvoir donc être contraints de quitter la France pour faire carrière à l'étranger. Donc au-delà des histoires particulières des groupes, il faut, je pense, vraiment garder les mémoires des combats passés et donc savoir ce qu'on va faire de cette archive-là, mettre en lumière la longue histoire de ces troubles et voir voilà, quelles leçons on peut vraiment tirer de ce passé-là afin de les mobiliser dans nos engagements présents et futurs. Merci beaucoup. Je remercie tout le monde pour les interventions. C'est Mme Fatou que je connais le plus, donc j'étais aussi j'étais intéressée par l'ensemble de ce qui a été dit, mais c'est vrai que dans l'idée de créer des espaces qui permettent de dialoguer tout ça, et puis ce qui a été évoqué par Mme Fatou et qui est rendu possible, je pense, par le fait précisément d'être partie de la France, c'est-à-dire cette liberté d'abattre un peu des frontières disciplinaires, de pouvoir affirmer, en fait, de pouvoir dire certaines choses sur la France. Moi, c'est une liberté que j'ai partiellement retrouvée en étant finalement en poste dans un département d'études anglophones où on pouvait parler à la fois de la question de la race et des minorités. Alors on peut là aussi, après avoir utilisé la comparaison comme stratégie, j'utilisais le fait d'être dans un département d'études anglophones dans lequel on pouvait également parler de la Caraïbe, ce qui peut sembler un peu paradoxal, mais c'est finalement dans les départements de langue qu'on parle le plus de la Caraïbe, mis à part ce qu'on peut avoir notamment à l'Université des Antilles, par exemple, dans cette université-là. C'est vrai que j'ai une forme, je me sens à l'aise dans ce type de configuration parce que précisément l'interdisciplinarité et la possibilité d'être un peu à côté et de ne pas parler frontalement de la France, c'est de fait... ça aide, mais ça a aussi ses limites, parce que c'est vrai que moi je m'inscris aussi, ma recherche elle est en sociologie politique, et que même si je constate comme l'ensemble de mes collègues, j'ai quand même une grande partie de mes collègues qui sont tout à fait ouverts au débat et à la discussion sur ce type d'enjeux, mais les attaques et les critiques qui se sont accélérées, radicalisées, disait, je pense tout à l'heure, Sandra, ces derniers mois, ces dernières années, elles vous touchent, que vos propos soient, quel que soit finalement moi j'ai l'impression d'être dans mes analyses d'être très soft en fait, d'avoir une approche quand même extrêmement prudente. J'ai pas l'impression de venir casser la baraque en parlant de ces questions. Pour autant, y compris à l'Université de Lille, qui apparaît comme une sorte de foyer d'une partie de ces observateurs, de ces pseudo-observateurs du décolonialisme. Voilà, on est face véritablement à un ensemble de collègues qui très largement veulent nous empêcher de travailler, tout en étant parfois à des positions qui sont celles, par exemple, de référents anti-racisme des universités, et qui empêchent véritablement, qui nous laissent en fait particulièrement démunis lorsqu'interviennent à la fois dans des empêchements d'être libre dans son travail académique, mais également des événements des faits de discrimination avérés au sein même de l'université. Et je pense que tout ça, c'est extrêmement lié. On se retrouve face à des étudiantes qui subissent des choses qui sont des refus de voile dans des cours à l'université, avec absolument aucune réaction de la part de l'université. Et avec nous qui sommes là, alors on organise parfois des petites tables rondes, mais on est extrêmement impuissants
à agir, à avoir une défense, à offrir, à proposer une défense véritable à nos étudiants. Ça fait à peu près une grande enquête qui s'appelle Acadiscrit et que j'essaye de pousser pour l'Université de Lille autour des discriminations dans le monde universitaire. Ça fait 2 ans que je n'ai pas de réponse de la part de mon université, malgré un nombre important de relances. Et voilà, moi, j'avoue que, en dépit du plaisir que j'ai à être dans un département d'études anglophones et de pouvoir m'inscrire aussi, d'avoir la possibilité de partir de la France hexagonale de temps en temps, de manière ponctuelle, malgré tout, je suis un peu rattrapée par une forme d'impuissance face à, voilà, une vague là, qu'on est en train de se prendre. Et puis après, très concrètement, par rapport aux étudiants, une incapacité à pouvoir répondre à ce qu'eux peuvent rencontrer, tout en essayant dans la salle de cours de leur donner un certain nombre d'instruments, d'outils pour pouvoir comprendre un peu mieux le monde. Voilà. Alors, juste très très vite un peu, et je pense que c'est une question qui fait un peu passerelle par rapport à ce que Audrey vient de dire. Lorsque Eric a envoyé l'invitation, je me suis dit, la première question, ma première pensée n'était pas vraiment pour ma communication, c'était plutôt par rapport à la première question que moi j'étais que je voulais poser à l'assistance, et je suis vraiment très heureuse de voir qu'il y a autant de personnes connectées, parce que Audrey, tu as parlé de la manière dont la défense devait s'organiser, donc la défense, comment défendre nos étudiants, comment nous défendre nous-mêmes, mais je pensais aussi à l'offensive un tout petit peu, et ma question, en fait, elle est pour mes copanélistes, mais elle est aussi pour tous ceux qui sont là. C'est, moi, j'ai vraiment un grand questionnement par rapport aux stratégies de communication pour sortir un peu de notre tour d'ivoire et l'engagement que l'on doit, que l'on peut avoir avec le public hors université et centre de recherche, avec les médias par exemple. Et moi, j'aimerais bien vous entendre dessus. Quelle est notre place dans cette économie? Est-ce qu'il faut y aller? Est-ce que ce n'est pas le bon moment? Est-ce que voilà. Donc, voilà, c'était ma question. Merci. Je peux dire un mot sur les médias, puisque finalement, moi-même, j'ai quand même toujours beaucoup travaillé à diffuser les idées qui nous intéressent. Hein, et je crois que c'est... je ne suis pas du tout quelqu'un qui est dans une tour d'ivoire, je pense. Mais les derniers mois ont été très, très difficiles de ce point de vue-là. Et Eric peut en témoigner aussi. À un moment, on s'est même contacté pour se dire qu'on n'irait plus nulle part, en fait. Hein, qu'on ne se montrerait plus parce que, en réalité... Comme certains l'ont déjà dit, finalement, les médias apparemment un peu centristes, mous, etc., sont passés totalement du côté en fait, de l'extrême droite. Il faut quand même savoir que même une émission sur le service public de la télévision, sur France Culture aussi, on a en fait un discours qui va constamment se mettre du même côté. Et ensuite, quand on est invité, enfin quand on était, hein, parce que c'est fini tout ça, mais Eric va le dire aussi, peut-être, je ne sais pas s'il a la même expérience, eh bien on se retrouve en fait tout seul. Moi, je me retrouvais moi seule face à un journaliste qui était en fait du côté du Manche, hein, et un mec d'un observatoire du décolonial et un espèce d'idéologue de la droite. Et c'était ça, en fait, l'image d'un débat équilibré. Et chaque fois, c'est ça. C'est toujours 1 contre 3, et en plus, 3 blancs, hommes, etc. Et donc, on a beau, moi, je ne suis pas timide, on a beau être très, très prêt à discuter, à leur rentrer dedans, en réalité, c'est de toute façon pas possible. Donc, pour moi, il n'y a pas d'organisation, en fait, d'un débat public. C'est aussi ce qu'on a vu à Grenoble aussi, dans l'université. Enfin, de toute façon, étant donné justement cette place de plus en plus massive d'un centre, prétendument centre, mais qui est en train d'aller de ce côté-là, hein, comme Macron, je pense que la discussion, une discussion à égalité, est impossible, et même à inégalité, au sens où même si on est minoritaire et qu'on veut faire entendre quelque chose, on n'y arrive pas. Mais peut-être Eric peut dire s'il est d'accord, parce qu'on a eu des très mauvaises expériences similaires, je crois. Avant,
Avant de donner la parole à Eric, je pense qu'on peut peut-être rester un peu dans la table ronde et peut-être que Philippe a quelque chose à dire. Pardon. après, la parole circulera, mais on est encore un peu dans la table ronde. Mais je peux faire plaisir à Sandra en répondant à la question écrite d'Eric, parce qu'elle m'intéresse. Il a laissé dans le chat et je la lis, je la résume, qui est, il soulève la question de la convergence entre les rhétoriques marxistes et républicaines dans cette offensive. Et c'est une question intéressante et c'est une question si on la conçoit comme pourquoi l'université française et les sciences sociales critiques semblent aussi esselées, parce que c'est ça le problème aussi. Sandra vient de parler d'un aspect qui est l'isolement dans le domaine médiatique, c'est vrai. Je pense qu'il est devenu extrêmement difficile de prendre la parole dans les médias mainstream dans ces domaines, y compris ceux qui ont un profil de gauche. Moi, je dirais que le substrat est républicain en France. Tout tourne autour de ça. Je parle d'ailleurs de mythe républicain. C'est même plus une idéologie, c'est même plus une interprétation. C'est tellement les discussions sur les valeurs républicaines en France ont une pauvreté affligeante. C'est absolument fou. Et pourtant, on ne parle que de ça. Et c'est justement l'un des problèmes. Donc, en quoi les deux traditions marxistes et républicaines semble converger. Je pense que ça marche pas tout à fait comme ça. Je pense que le substrat républicain, mais je pense qu'il y a dans ceux qui se réfèrent dans l'université ou dans le domaine politique encore une forme de marxisme ou d'interprétation du monde et des rapports sociaux et de production de type marxiste en dehors dans le monde politique. Je pense que ça les arrange. De se retrancher derrière ce républicanisme qui est une notion totémique en France. Personne ne peut, dans le débat, critiquer la République. C'est devenu quelque chose d'intouchable, alors que cette notion est maintenant totalement prise en otage par les forces les plus réactionnaires, voire l'extrême droite. Il faut le regarder pareil pour la laïcité. Et je pense qu'il ne sert à rien, ça c'est une question dont j'ai déjà débattu avec Eric à titre privé, il ne sert à rien de continuer au titre qu'il y a une révolution il y a plus de 200 ans et que cette notion est totémique, à se référer en positif à cette notion, quand celle-ci est aujourd'hui, je dirais, toxique. Quand un produit est toxique, il vaut mieux s'en éloigner, battre en retraite et imaginer des stratégies de langage et de contre-attaque différentes, c'est-à-dire de ne plus au moins l'employer cette notion pendant un moment. Et parler, par exemple, davantage de démocratie, de droit, de liberté, qui serait, à mon avis, intéressant pour justement mettre en avant toutes ces notions sur le genre, sur la race, etc. Donc, je pense que il y a dans la gauche française une tradition très faible, une tradition antiraciste, une culture antiraciste très faible, et aussi qui explique pourquoi. Aujourd'hui, bien les universitaires français me semblent très esselés, n'ont pas les relais, le soutien de la part d'une gauche qui est mal partie, comme on le sait, historiquement au plus bas, et qui a commis des erreurs stratégiques très importantes, et qui aujourd'hui n'est plus disponible pour mener cette contre-offensive idéologique, notamment le fait qu'une partie de cette gauche ait embrassé le populisme, un populisme de gauche. Il y a quelques années, il y a eu un débat, et je pense que c'est une catastrophe incroyable pour la gauche d'avoir embrassé le populisme. Et voilà pourquoi donc, vous êtes seul, je dis vous parce que je ne travaille pas en France, mais... qui explique aussi la faiblesse de la réaction antiraciste en France et aussi la condescendance de la gauche française, notamment marxiste, pour les droits fondamentaux et les libertés. C'est pas, puisqu'on sait très bien, quand on dit libéralisme en France, on parle au néolibéralisme, et le libéralisme politique, c'est-à-dire celui qui porte sur la liberté individuelle et politique, est méprisé, ce qui, je crois, est une erreur très importante, surtout aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vais prendre peut-être 3-4 questions auxquelles vous pourrez répondre. Alors, je crois que la première, c'est Alex Maudo. Peut-être que vous pouvez poser votre question. Il est parti. Sonia Correa, vous aviez une question. Peut-être que vous pouvez la dire. J'en ai deux
questions très objectives. Je voulais plus d'informations sur ces propositions de criminalisation, parce que ça a beaucoup de convergences avec ce qu'on voit au Brésil maintenant, avec une dizaine de lois, des propositions de lois qui maintenant criminalisent la propagation de l'idéologie de genre. Donc, on est passé de la prohibition d'enseigner les genres pour criminaliser les gens qui propagent l'idéologie. Notre question, c'est vis-à-vis de l'anti-américanisme. Si en France, ça n'a aucune relation avec une position anti-globaliste ou non. Parce qu'au Brésil, ça ne se joue pas. Comme vous savez, Bolsonaro et ses enfants sont de vieux amis de Trump. Hein? Ils aiment les États-Unis, ils se promènent avec les drapeaux américains et tout. Mais la position anti-globaliste, c'est très forte dans les discours où c'est le néo-fascisme bolsonariste. Donc, ça vient de Bannon, c'est les traditionnalistes et tout ça, Duggan. Je voulais savoir s'il y a une connexion ahí ou non. Merci beaucoup. Je crois qu'Ilana voulait poser une question, ou peut-être pas poser une question, mais faire un commentaire, une remarque. Je me débloque, et voilà. Et non, c'était juste un commentaire, parce que plusieurs... Ilana est là. D'accord. Oui, je suis là. J'ai parlé de toi. Oui, je suis là. Et je vais même me montrer pour ce que je suis là. Voilà. Je suis là. Et juste pour dire que c'est une question qui est transversale pour plusieurs communications que je trouvais très intéressante. C'est la question de comment on dévalorise le travail de gens qui travaillent sur le genre, sur le colonialisme, sur le néocolonialisme, sur les études noires, etc. Et ça, c'est une chose que je trouve super importante parce que c'est efficace. C'est efficace parce que c'est pas efficace. Bon, si on le fait grossièrement, c'est pas efficace. Ça veut dire ben ça. Mais on dit oui, on connaît machin chose, qui c'est un monsieur, ça arrive aussi. Il est très bien, il est très sympathique, mais c'est pas la science qu'il fait. Il est très bien, il était très bien, mais depuis là, bon, malheureusement, ça s'est dégradé beaucoup depuis qu'il a fait sa thèse, depuis qu'il a fait son habilitation, etc. Et je vais donner un exemple, qui est un exemple pas du tout de la France, mais de la Pologne. C'est un pays que je connais bien. D'ailleurs, c'est beaucoup pire en Pologne pour Sonia Correa. C'est pire en Pologne qu'au Brésil, vraiment pire. Je connais assez bien les deux pays et c'est pire en Pologne en ce moment. Du point de vue des dégâts pour les universitaires, pas du point de vue des situations économiques ou des choses comme ça. Donc, en Pologne, il y a une chercheur de Princeton, historien, qui s'appelle Jan Gross. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont entendu de lui, qui a écrit plusieurs livres que je trouve sont vraiment remarquables sur l'antisémitisme des Polonais pendant et après la Deuxième Guerre mondiale. Et on s'appelle Les voisins sur une massacre de Jedwabne, une ville où les habitants polonais ont massacré les juifs, et l'autre, c'est la peur sur les pogroms anti-juifs dans les années entre 45 et 48. Je vois souvent en Pologne, les livres étaient traduits en polonais, étaient très débattus. J'allais enseigner en Pologne plusieurs fois. Chaque fois que je mentionnais ces livres, on m'a dit, mais Jan Gross, tout le monde sait que ce n'est pas scientifique. Je dis, mais comment vous savez, c'est des étudiants en philo, en biologie, etc. Bah, tout le monde sait que c'est très mauvaise science. Je dis, bah, écoutez, il est quand même professeur de Princeton, il l'a vu très, très bien reçu. Non, mais tout le monde sait que c'est nul comme science, c'est pas la science, c'est l'idéologie. Et ça marche. Ça marchait sur les étudiants jeunes dans diverses disciplines, etc. Donc, cette manière de dévaloriser par les rumeurs, et par l'insinuation, c'est une manière très efficace de dire non, on n'est pas contre les études postcoloniales, on est juste contre machin, chose, truc qui fait qu'il ne fait pas la science. Alors, je ne sais pas comment vous réagissez à ça.
Merci. On prend encore une dernière question et puis après je... Ah non, Mme Fatou doit partir, c'est ça? Oui, je crois que c'était un au revoir. Une dernière question et puis vous pourrez répondre. Donc, Guilhem Corot qui souhaitait poser une question. Oui, c'était une question remarque, mais en fait, j'y réfléchis du coup depuis le panel précédent et bon, du coup, je m'interrogeais tout à l'heure sur la dimension internationale, mais plus pour centrer nationalement et en essayant de ne pas faire trop long, mais c'est aussi assez dans la continuité de ce que vient de dire Ilana Louis, du coup, je suppose. Par rapport à la réflexion de David Paternotte, qu'il me semble que il n'y a pas uniquement de la répression, en fait. Il y a aussi des secteurs universitaires qui bénéficient de politiques publiques, etc. Et qui ne vont pas... Alors, on va dire qu'il y a les guerres très, il me semble, franco-françaises, très républicaines, etc., au sein des sciences humaines. Mais si on prend, par exemple, Blanquer, qui a fait des déclarations contre l'islamo-gauchisme, qui envahit l'université, etc., il a aussi mené toute une campagne de réforme de l'éducation nationale qui était appuyée par un argument de scientificité, de « je vais créer un conseil scientifique » et donc ce que je fais, ce n'est pas de l'idéologie, c'est de la science. Et donc, du coup, tous ces profs en grève, etc., sont par définition déraisonnables. Bon, par ailleurs, je suis de très loin, mais il semble que le conseil scientifique de Blanquer reconnaît lui-même que Blanquer n'a pas suivi ses recommandations et dit « mais ce n'est pas grave parce que c'était une déclaration par exemple de Franck Ramu, c'est dans l'ordre des choses. Nous, en tant que scientifiques, on propose des choses et puis ensuite c'est le rôle des politiques d'en faire ce qu'ils veulent. Et donc il y a une séparation stricte, une répartition des rôles qui convient bien à tout le monde. Et je pense que c'est un aspect aussi intéressant et en lien avec ce qu'on a discuté hier sur la question d'autonomie de la recherche et de qu'est-ce que ça veut dire. Il me semble qu'il y a tout un secteur académique qui peut être de droite, mais qui peut aussi être de gauche, etc., et qui dont le fond d'opposition justement aux gender studies ou aux études décoloniales ne se fait pas premièrement sur une question d'opposition politique, mais sur des questions de critères de scientificité. Et dire si on adopte des critères, on va dire, de responsabilité sociale ou de pourquoi est-ce qu'on fait de la science, etc., c'est mélanger science et politique et donc c'est de la mauvaise science. Et ça, je pense que pour essayer de raccourcir, mais c'est effectivement aussi quelque chose qui nous vient des États-Unis et des culture wars et de l'anti-wokeism. Et avec justement l'invitation toujours par Franck Ramu à l'École normale supérieure de Steven Pinker, qui est une des grandes figures de la lutte et d'une lutte justement contre une science qui serait de plus en plus idéologisée et donc qui se présente comme une lutte pour la science et pour les critères de scientificité. Et d'ailleurs, justement, le lien aussi, il me semble, avec ce que disait Ilana Holloway, c'est que ces discours-là, justement pro-scientifique, en fait, il me semble qu'actuellement, ils prolifèrent dans une sphère publique, Twitter notamment, etc., qui s'intéressent à la science, qui n'ont pas les outils pour se rendre compte à quel point ce modèle épistémologique est dépassé depuis un demi-siècle et à quel point il est porté par des secteurs idéologiques, etc. Et en fait, il est en train de fructifier chez tout un ensemble de personnes de mon âge, quoi, qui ont 20 ans, 30 ans, par le biais notamment de podcasts, dont un qui, de manière assez intéressante, s'appelle justement Liberté académique et donc et qui invite régulièrement les Steven Pinker et compagnie pour protester contre la wokisation des sciences. Ouais. Et ce sont des personnes qui, par ailleurs, peuvent se revendiquer plus ou moins de gauche, enfin contre le racisme, etc., mais dire, mais simplement, il y a un problème, c'est qu'il y a de plus en plus de secteurs qui font de l'idéologie et pas de la science. Ouais. Sandra, je crois que tu avais envie de répondre pas seulement à cette question, d'ailleurs peut-être à d'autres aussi. Oui, à toutes. C'est une question vraiment intéressante. Parce que le non, je rigole. Non, juste. Je comprends. De toute façon, non, j'étais évidemment très intéressée par cette question, mais précédemment, la question de Sonia sur la criminalisation. En fait, quand on parle de criminalisation,
C'est vrai que ça peut paraître exagéré, mais en même temps, si on emploie ce terme, c'est qu'effectivement, il y a cette identification genre écriture inclusive, islam, islamo-gauchisme et donc attentat. C'est-à-dire que vraiment, il y a cette espèce de lien qui va être fait par justement tout ce groupe idéologique là dont on parle, qui va être fait entre le genre et la violence terroriste, de façon très très naturelle, hein, et je crois qu'il faut pas négliger ça, et en particulier aussi la criminalisation de l'écriture inclusive, parce que maintenant on va quand même dire autant le genre, bon, on nous emmerde, ils essayent de considérer ça, on a encore le droit d'en faire, mais combien de gens vous ont dit ces derniers temps avec vraiment jouissance, hein, de que l'écriture inclusive était interdite, hein, qu'il y avait une interdiction de l'écriture inclusive, et c'est vraiment vu comme ça, et c'est ça en fait aussi l'esprit de la criminalisation, et c'est aussi l'idée en effet que toute personne qui ne considère pas qu'un arabe est un terroriste potentiel est elle-même déjà criminelle. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui sont pas du tout exagérés, hein, qui sont au cœur en fait des discours, des raisonnements et des réactions de ces gens. Ensuite, alors là, c'est un tout autre sujet, mais que je trouve absolument passionnant et j'ai trouvé extrêmement intéressant ce que vient de dire M. Corot. Parce qu'effectivement, il y a eu, mais ce n'est pas si récent que ça, hein, il y a eu depuis vraiment le siècle dernier un soutien absolument massif à un certain type de recherche scientifique qui a vraiment capté la grande part des financements, hein, qu'on peut dire un peu autour des sciences cognitives, mais en un sens un peu vague, mais c'est vraiment ça qui domine dans justement tout ce qui est comité scientifique de Blanquer, et surtout ça, moi j'ai vraiment vu depuis des années les conséquences financières, hein, puisqu'on parlait de la carotte, hein, c'est-à-dire qu'on est nous dans des universités qui vont être SHS, qui vont être absolument sous-dotées avec d'énormes effectifs, etc., donc une sorte de destruction quand même à petit feu, et de l'autre côté, effectivement, il y a des financements qui sont réservés à un certain type de recherche, et ce n'est pas seulement une recherche qui se dit scientifique, c'est une recherche qui a sa version de la sociologie, sa version de l'anthropologie, sa version de la philosophie aussi, hein, je connais. Donc, en réalité, il y a vraiment là un versant financier que j'ai voulu mentionné en vitesse et que Guilhem a aussi discuté. Et je crois que c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important. Et du coup, il y a besoin effectivement d'outils à la fois idéologiques, d'évaluation et donc de pseudo-scientificité pour en fait attribuer les financements à ces recherches-là prioritairement, avec, comme le dit Eric, effectivement, avec cette idée que tout ce qui est différent va être du détournement de fonds publics. Alors qu'effectivement, on a Nathalie Henisch qui va dire qu'on ne fait pas de la science, alors qu'elle en fait beaucoup moins, à mon avis, que nous, quoi. Donc c'est vraiment, c'est une situation à quoi il faudrait, peut-être que c'est le biais, hein, puisqu'on cherche des moyens de la riposte, hein, il y a quand même ce biais du détournement de fonds par une certaine recherche par Blanquer. Philippe, est-ce que tu voulais répondre aux questions? Je crois qu'on ne t'entend plus. Pardon. Je peux répondre à la question de Sonia sur le lien entre américanisme et globalisme. Je crois que oui, on peut poser cette hypothèse. Hein, c'est clair et c'est dans l'esquisse de ce que j'ai dit sur le nationalisme universitaire en France qui apparaît. Je crois qu'à travers l'anti-américanisme, on a avant tout un rejet de tout ce qui est de tout corps extérieur, théorique, conceptuel, mais aussi ça va plus loin, je crois. Hein, puisque maintenant, c'est très intéressant, c'est lié entre l'écriture inclusive et sa criminalisation pour finalement aboutir à... ça fait partie de la panoplie du parfait islamo-gauchiste, et on sait très bien que l'islamo-gauchiste, c'est quelqu'un qui est de mèche avec les terroristes islamistes. Donc, effectivement, c'est un trou sans fond, on peut tout y mettre. Donc oui, c'est une hypothèse tout à fait qu'il faudrait, dans des recherches ultérieures de fond, évaluer, mais quand on s'en prend à l'américanisme,
D'ailleurs, le rapport de l'intelligentsia française aux États-Unis a toujours été ambivalent, c'est-à-dire c'est love and hate, hein, c'est jamais dans un sens unique. Il y a toujours de bonnes raisons de détester, mais aussi d'adorer les États-Unis, bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Donc je crois que oui, c'est clair. Et aussi, il faut voir qu'en France, parce que moi je suis politiste qui travaille sur les idées politiques et les partis politiques, je vois toujours le double niveau universitaire dans l'émergence des idées et le champ politique, tel que les partis, les mouvements politiques les appréhendent, les utilisent. Je crois que la France est devenue un terrain tout à fait fertile pour une montée de l'europhobie ou de l'euroscepticisme. Pas simplement contre les politiques de l'Union européenne, ce qui en soi est tout à fait compréhensible et discutable, mais il y a plus que ça. On sent qu'il y a, au niveau européen déjà, la France est en train de devenir un pays qui effectivement a beaucoup de mal avec une altérité européenne. Hein, le fait que, et donc il y a une espèce de rétrécissement dans les contours, dans les limites de l'Hexagone, et ça se sent y compris maintenant au sein de l'université, en tout cas de la part de ceux qui vous mène la vie dure en général. Vous êtes d'accord, comme le temps passe, on va prendre peut-être encore 3 ou 4 questions et puis après on conclura. Alors je sais que Nassira, que je ne vois plus, avait levé sa main jaune il y a déjà bien longtemps. Donc Nassira, si tu es là, est-ce que tu veux poser ta question ou une question ou dire... Bonsoir. En fait, j'avais simplement signalé dans le chat que, vu le temps qui passait et les réponses aux questions qui étaient attendues, je passais mon tour. D'accord. Sophie, tu avais aussi levé ta main jaune. Hein. Oui, ce qui me semblait intéressant dans ce que disait Sandra sur la criminalisation, c'est qu'en plus, c'est la manière dont dans la mort de Samuel Paty a fait une espèce de bascule, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu un retournement. Vraiment, c'est-à-dire que les attaques avant étaient islamo-gauchistes, complaisance, etc. Tandis que là, avec la mort de Samuel Paty, alors qu'il a quand même été assassiné et que les gens qui ont plus ou moins qui sont liés sur les réseaux sociaux sont d'extrême droite. Ils ont été reconnus comme étant d'extrême droite et associés à des mouvements d'extrême droite. Les déclarations de Blanquer ont réussi à installer dans l'opinion une espèce de contre-vérité, mais une vraie contre-vérité qui fait penser, il a repris en cela, il a dit quand même publiquement, les assassins intellectuels, en fait, ceux qui tenaient ceux qui ont inspiré intellectuellement cet assassinat sont les islamo-gauchistes, les gens dans les universités, etc., etc. Donc là, il y a quand même un retournement, il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé avec la mort de Samuel Paty et avec quelque chose à quoi on n'a pas répondu et à laquelle quelque chose qui, comme une trappe qui s'est refermée sur nous et où on a du mal à... Parce que ça repose sur un mensonge d'État, en fait, un retournement de la présentation de la réalité qui n'a jamais été démenti officiellement par personne. Et bon, donc Frédéric Vidal, dans un premier temps, n'a pas suivi. Donc on se disait quand même, toutes les digues n'ont pas rompu. Et donc quand elle est passée elle-même dans ce discours, et c'est vrai, qui a été raconté par Mme Fatou avec ce mélange d'Ayatollah Khomeini et de je ne sais pas qui, de Mao, enfin, c'était tellement délirant qu'on se dit, mais ce n'est pas possible quand même. Et là, il y a une digue qui s'est vraiment rompue, et là, c'est installé en une nouvelle logique autour de la criminalisation. Et après, je ne sais pas ce qu'en pense Sandra, ce qu'en pensent les autres. Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'écriture inclusive. Parce que par ailleurs, dans l'Observatoire du colonialisme, dans les gens que tu as pu rencontrer sur les chaînes publiques, j'ai vu, il y a beaucoup de linguistes. Oui, c'est vrai. Et donc, c'est quelque chose que je n'ai pas compris. Enfin, si la langue est une question politique par excellence, donc je comprends pourquoi il y a des linguistes. Mais autant, et pourquoi ils sont aussi hargneux, et pourquoi sur l'écriture inclusive, cette haine qui se déploie et qui associe quand même, qu'on ne soit pas d'accord avec l'écriture inclusive pour x, y raison, soit, pourquoi pas, mais une manière de considérer que c'est presque une pratique criminelle, j'ai du mal à avoir le saut intellectuel qui permet d'associer
d'associer l'écriture inclusive avec, je ne sais pas quoi, la dénonciation du colonialisme, etc. quoi. On aura une table ronde avec l'écriture, ou la question de l'écriture inclusive à discuter demain après-midi. Je crois qu'Éric, tu voulais aussi dire quelque chose. Je veux bien et je vais le faire très brièvement. Pour revenir sur la question républicain marxiste, juste un mot. Pour moi, c'est un enjeu aussi de méthode. C'est-à-dire que très souvent, ce qu'on présente comme des idéologies, à mon sens, sont plutôt des rhétoriques. C'est-à-dire que leurs contenus peuvent être infiniment variables. Le fait que des gens puissent se réclamer d'un même mouvement, d'une logique républicaine et d'une logique marxiste, ça dit bien que ça n'a pas de cohérence idéologique, ou en tout cas qu'elle ne se réduit pas à ces termes. Et je crois que ça vaut pour beaucoup des termes dont nous parlons, que ce soit républicain, que ce soit même pour l'anti-américanisme, où les contenus peuvent être infiniment variables, etc. Donc c'était une remarque, disons, de méthode, en quelque sorte. Je trouve qu'il est utile de distinguer la rhétorique de l'idéologie. C'est en tout cas, moi, une question que je me suis posée il y a longtemps déjà à propos de l'anti-américanisme, parce que sinon, en fait, ça échappait. On ne comprenait pas pourquoi. On avait l'impression que les gens étaient déterminés par une idéologie, alors qu'en réalité, ils instrumentalisaient les rhétoriques qu'ils recyclaient à des fins différentes, dans des contextes différents. Voilà, c'est un point. Enfin, voilà, c'est ma manière de me poser la question. Et deuxième remarque, puisque la question des médias a été soulevée, en particulier Sandra m'invitait à y répondre, au-delà de. Ils ont des expériences malheureuses que nous pouvons avoir les unes et les autres et qui font qu'on se dit « je me retire » et puis après on se dit « oui, mais quand même, ça vaut le coup d'essayer », etc. Bref, au-delà de ces questions-là, juste factuellement, nous avons contacté un certain nombre de médias à propos du colloque que nous organisons. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu de réponse, par exemple, de Demorand. Je crois, Caroline, que tu n'as pas encore eu de réponse de Guillaume Herner. Pas de réponse. Pas encore. Un grand silence. Voilà, pas encore. Ah, pas lui. Hein. Mais je pense que, en fait, nous avons beaucoup de chance puisque nous avions une journaliste du Monde qui est venue assister à la séance d'hier et qui prépare un papier. Il y aura peut-être quelque chose à quoi sont conviés Sonia et Zeynep dans AOC, mais Mediapart. En gros, nous ouvre ses colonnes, mais quand même, dans l'ensemble, on ne peut pas dire que les médias soient omniprésents dans notre discussion. Et ça, c'est quelque chose quand on voit, par ailleurs, combien des événements qui ne paraissaient pas si importants, des tracts ici ou là, pouvaient justifier l'invitation. Donc, il y a effectivement une conjoncture qui n'est pas bonne. Simplement, là où je crois que, même si en gros, enfin pour ma part, j'ai vraiment le sentiment d'une régression, c'est-à-dire non seulement d'une moindre qualité, mais aussi d'une exclusion, quand je compare au fait, enfin, à la possibilité qu'il y avait de se faire entendre il y a 10 ans, et a fortiori il y a 20 ans, et même encore plus il y a 30 ans, bref, j'ai l'impression vraiment d'une lente dégradation de l'accès à la parole publique. Mais au-delà de ça, ce qui se passe aussi, c'est la constitution de contre-espaces publics. C'est pas comme s'il n'y avait que l'espace public. Une des conséquences de cet évidement de l'espace public, c'est bien sûr un affaiblissement démocratique, parce que l'espace public, ça compte quand même en démocratie, justement, si on croit un minimum à des théories libérales. On n'a pas besoin d'être hyper libéral pour croire que l'espace public, ça va dans le bon sens pour la démocratie. Mais en revanche, il y a des contre-espaces publics, et la question, c'est de savoir comment ça communique. C'est-à-dire, en particulier, c'est ce qui s'est passé, me semble-t-il, autour des questions minoritaires depuis quelques années, c'est que les minorités qui sont très souvent interdites de parole, dans l'espace public, ont réussi à contourner en quelque sorte, en partie, grâce au contre-espace public, c'est-à-dire les réseaux sociaux, etc. Bien sûr, il n'y a pas que les minorités pour lesquelles je ou nous pouvons avoir de la sympathie, mais il y a aussi la fachosphère, donc, qui arrive à se faire beaucoup entendre, parce que, en fait, manifestement, être un fasciste s'accompagne d'une grande disponibilité dans le temps. Je suis très envieux. En gros, manifestement, les fascistes n'ont que ça à faire d'être fascistes. Ils sont fascistes, apparemment, à temps plein. Alors que j'ai l'impression que je suis empêché d'être un islamo-gauchiste à temps plein par le fait que je dois faire des cours, ou que je dois corriger des copies, ou que je dois assister à des soutenances, ou que je dois remplir des dossiers administratifs, etc. Donc, j'aimerais que le temps islamo-gauchiste soit un peu libéré.
Sandra et Philippe, peut-être le mot de la fin sur ces interventions, ces questions, et puis après, Eric conclura. Juste deux mots pour confirmer ce qu'a dit Eric, que le temps islamo-gauchiste est effectivement rare et court, et je confirme ce point. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, merci. Oui, je voulais vraiment confirmer la même chose hein, rapidement. Je crois qu'on est vraiment dans une situation d'inégalité professionnelle organisée, justement à cause aussi de cette inégalité du partage des ressources et des financements hein, qui est vraiment très, très clairement organisée. Il y a eu encore un message dans le chat là, qui allait en ce sens. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Et entre parenthèses, je pense que la situation est beaucoup plus déséquilibrée en France de ce point de vue-là qu'aux États-Unis, où il y a malgré tout, avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir, il y a une beaucoup plus grande diversité en fait, de soutien dans les universités donc pour les recherches. Alors que là, il y a une volonté d'État de définir comme scientifique seulement certaines recherches. Donc là, il y a vraiment un combat et un front à ouvrir. Et on a vraiment l'impression qu'il y a maintenant deux classes au moins d'intellectuels, effectivement, les fascistes et les islamo-gauchistes, et que les premiers sont dans de bien meilleures situations, qu'elles soient celles au plan de la disponibilité du temps, hein, de la charge d'enseignement, des financements qui leur sont alloués, que des gens voilà, comme nous, hein, qui sont des enseignants ou chercheurs de base, hein, qui travaillent et qui sont très sollicités, puisque ce qu'on fait, c'est super bon, c'est super intéressant, il faut quand même qu'on le rappelle. Donc voilà, je crois que là, c'est un front quand même qu'on devrait essayer d'ouvrir le combat là-dessus. Ben, la French Touch n'est pas très festive, mais je vais... Eric, peut-être que tu conclues quelques mots de conclusion. Quelques mots positifs, parce que d'un côté on dit que le monde va très mal, mais d'un autre nous sommes d'accord pour dire que nous allons très bien et que nous faisons des choses intéressantes et que nous avons plaisir à nous retrouver pour en parler. Nous en avons la preuve dans le fait qu'il y a beaucoup de gens qui se connaissent, qui s'inscrivent, etc., mais aussi dans le fait qu'on n'arrive pas à se quitter, ce qui est quand même très bon signe. Alors bien sûr, c'est un peu une manière de voir les choses qui laisse de côté des aspects plus sombres de la réalité, mais comme nous nous retrouvons demain, je préfère continuer cette vague d'optimisme. Je remercie tout le monde, tous les intervenants, une partie qui nous a quittés manifestement parce qu'il y avait des horaires qui faisaient que Cendrillon allait se métamorphoser. Et c'est, bien sûr, vous aurez reconnu la dimension de genre de cette mésaventure. Merci beaucoup à tout le monde et on se retrouve demain à la même heure. Et même demain, ce ne sera pas encore la fin.